Tout le monde, Kimoman ici, nous sommes sur Neverwinter. Directement, je suis là-dessus parce que j'ai envie de parler un peu de ça. J'ai jamais acheté ces fameuses petits packs qu'on peut acheter avant que la DLC sorte, machin, brawl, voilà, sur Neverwinter. Et je l'avoue, je l'ai jamais fait parce que moi, personnellement, je trouve que ça ne vaut pas les 7500, c'est quoi 7500, voilà, qui est l'équivalent de. Oh, on va carrément dire 100 euros. Direct. Tout simplement parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux avec notre perso si on met de sous-sous dans le jeu. Hein. On les convertit en diamants, on peut monter son perso tranquillement. Et voilà. Comme je dis, ça, c'est mon avis personnel. D'accord. Bon. 1000 drains, oui, c'est peut-être bon pour un Deva, mais. C'est juste une épique, quoi, c'est pas une légendaire. Hein. Quand même. Les sauts, oui, à la limite, ça peut être le seul truc qui peut être vraiment intéressant. Parce que là, non. Moi, personnellement, je trouve pas. Ça, franchement, que 30 jours. Ça fait quand même mal quand tu y penses. Tu dois finalement faire le calcul, quoi. C'est quoi, c'est 50. Ouais, tu dois minimum être 70 à 80 euros dans le jeu qui t'achète un bon jeu qui va bientôt sortir. Ça, juste pour des habits. Et ça. Ouais. Ouais, cool. T'as le titre Chasseur de vampires, d'accord, ok. En sachant que quand le pack va sortir, bah, tout le monde va mettre ça en vente. Faut attendre quoi, une semaine même pas, boum, il y a moyen de le voir pas cher. Ah, on met des diamants, assez de diamants à côté. Comme je dis, ça c'est limite, ça c'est le seul truc intéressant quoi. C'est tout quoi. Mais j'aime. Bon, je peux comprendre pourquoi Neverwinter sort ces packs-là, c'est juste pour, entre guillemets, avoir des sous-sous en plus, hein. Mais bon, moi je suis contre hein, ce genre de choses parce que j'ai l'impression. Ok, je sais que c'est un jeu gratuit, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est un free to play, mais pay to win. Ça je le sais, hein, je suis pas si bête que ça. Mais ça dépend encore en fait. Mais non, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si tu achetais, hein, je sais pas moi, on va prendre le truc, je sais pas moi, Battlefield, leur microtransaction en fait, juste pour voir quelque chose en plus et quelque chose avant tout le monde. Comme j'ai dit, il y a des gens qui le font, moi personnellement je le fais pas, je critique pas à ce niveau-là les gens qui le font, parce que s'ils peuvent le faire, pourquoi pas, tant que tes factures sont payées, tant que t'as un toit sur la tête et t'as à manger à la fin du mois, tu fais ce que tu veux, hein, ce niveau-là, ça, mon Prouton, mais royal. Mais non, moi personnellement, je ne suis pas fan. Comme je dis, c'est juste pour une monture, un cerf. Le pire, c'est que je sais même pas s'il est beau ce cerf en plus. Non. Il pouvait pas, je sais pas, mais, je sais pas, trouver un autre animal. Allez, quoi. Le cerf, on l'avait déjà vu recycler combien de fois maintenant? Hein? J'espère qu'ils ont enlevé les fameuses mouches, là, comme il y avait avec le cheval qui se décompose, parce que les mouches, ça te donnait mal de tête à la fin, parce qu'on les entendait, hein? Là, je le trouve. Wow. Je zoome un peu trop, là. Ouais. Trop zoom. Je sais pas, j'aime pas moi. Comme j'ai dit, chacun ses trucs. Hein. Moi personnellement, je l'aime pas. Mais payer autant juste pour ça, moi je conseille de mettre de le convertir en gardez votre argent, mettez des Z et vous le convertez pour les diamants parce que on le sait tous avec Neverwinter. Que chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, ça va aller, ça va coûter quoi. La dernière fois, je crois que le plus cher que j'ai vu sur Neverwinter, c'était quand même Xbox, hein. 61. Ouais, 61, quelque chose comme ça, pour 100 zen, quoi. Tu vois, un peu, c'est un peu excessif, quoi. Et ça va de nouveau monter de prix. Alors, moi, je vous conseille de garder vos zen et convertissez-les dans les diamants.
C'est comme ça, au moins, tu peux plus ou moins faire tes calculs. Par exemple, si maintenant tu veux vraiment, si tu collectionnes les montures, si tu veux vraiment cette monture-là, attends un petit peu, 1 à 2 semaines. Parce que d'office, les gens vont le mettre. Le premier truc que les gens font qui achètent ce pack, c'est pas pour, réellement pour la monture. Hein. Et ils le prennent pour directement le vendre, justement pour avoir des diamants en plus, quoi. Mais ça, c'est des transactions que beaucoup de font. Mais moi, j'ai dit fais attention à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces genres de packs. Est-ce que vous avez déjà acheté ces genres de packs? J'aimerais bien savoir est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent réel dans le jeu pour ça, en sachant qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans le jeu. Mais dites-les-moi dans les commentaires, je suis curieuse de le savoir. Et voilà quoi, en fait. Allez, je vais faire vite une petite transaction, on va directement faire un petit donjon. À tout de suite, bisous bisous. Bon, really. Il faudra vraiment que je bouge un peu mes fesses pour augmenter les campagnes. Parce que c'est le 28 et pour bientôt. Wow. J'essaie de me mettre dans le truc, j'essaie de me hyper, j'essaie de faire tout ça, mais j'arrive pas en fait. C'est pas une blague, je n'arrive pas à me dire yes, quelque chose de nouveau, ça va faire du bien, du changement. Et Neverwinter va réussir à nous arnaquer comme à chaque fois. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Chacun ses trucs. Que j'ai pris des vacances de Neverwinter, ça m'a quand même fait un bien fou. Franchement, ça m'a fait un bien fou. T'as pas un petit problème, toi? Oh, t'as eu un petit ink, toi, hein, je crois, non? Mais je crois qu'il avait un hic. J'aime pas la glace. Non, celui-ci. Oh, ah, come on. Je n'arrive toujours pas à m'habituer en plus. Et n'empêche, presque 2 mois sans jouer. Franchement, on perd un peu l'habitude, on perd un peu les commandes, la sensibilité, tout ça. On perd un peu tout ça en fait. Hein. On s'en rend pas compte. Mais par contre, j'ai vu sur le groupe FR Facebook de Neverwinter qui est. Ah non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça, c'est pas là, c'est sur Neverwinter, le groupe Facebook eux-mêmes en plus. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être contents, qui veulent revenir sur Neverwinter justement avec le DLC qui sort là, l'extension. Il y a des gens qui, j'ai vu des commentaires en disant que les gens vont revenir dans le jeu et tout ça. Ouais, c'est bien, j'espère que ça vaut la peine. Ça m'embêterait si ça vaut pas la peine, mais bon. Non, mauvaise touche, voilà, mauvaise touche, mauvaise touche, mauvaise touche, mauvaise touche, mauvaise touche, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude de faire ce genre de bêtises. Bon, est-ce qu'ils veulent arrêter à bronze ou ils veulent continuer? Vu que beaucoup de gens arrêtent à bronze, ce qui est compréhensible, parce que même quand tu fais, oh, tu n'as absolument rien comme loot intéressant. Ah bah ouais, tu sais quoi, je vais faire la même chose. Est-ce que ça sert à rien de continuer parce que ce qu'on fait bronze ou qu'on fait argent ou qu'on fait or, on a exactement le même loot vu que Neverwinter ne règle toujours pas ces systèmes de loot là. Mais bon. Ça. Wow. J'ai fait combien de dégâts moi? Ah oh oui, quand même. Vous ne vous rendez pas compte. Allez, vu qu'on a fait une petite partie, on va refaire un pour voir si on a quelque chose d'autre. Plus. Ah non, non, GSM, non, non. Le code GSM. On va si on peut voir quelque chose de plus intéressant. On fait ça? Alors on fait ça. Alors si le chargement voudra bien arrêter de charger. Bon, ce chargement. Mais c'est quel jeu? Ouais, c'est comme j'ai recommencé un peu Destiny là pour parce que mois de septembre il y a le dernier, je crois que c'est le dernier DLC aux saisons, je sais pas quoi, je sais plus quoi, machin. Et j'avais pas encore fait le Mars et tout ça, j'avais pas encore tout fait. Et ben en 2 jours j'ai tout réussi.
Je trouvais ça un peu dommage que quand il t'annonce qu'il faut voir 340 de poussière et quand t'es juste à 304, tu arrives à faire tout plus le boss. C'est come on, ça c'était vraiment rien quoi. Allez, Destiny, c'est plus ça non plus quoi. Même eux, ils ont réussi à changer leur système là. Je crois que c'était pas ça. Je fais une montage vidéo pour le moment donné sur Battlefield multijoueur. J'ai découvert et j'aime bien. Malgré le polémique autour du Battlefield. Mauvaise touche, bien sûr. Battlefield 5, là, qui va sortir, que je trouve un peu stupide de leur part. Ce genre de bêtises, là, avec les fanatiques, là. Ah, pas de femmes dans nos jeux, pas de femmes dans nos jeux, blablabla. Est-ce que je peux? Merci. God, même ça, ils ont bien. Une polémique là-dessus, mais curé quoi. Ah oui, mais dans la deuxième guerre, c'était quoi le comment? Ouais, dans le deuxième guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, il n'y avait pas de femmes au front. Qu'après que je vois avec le clip, personnellement, je crois que c'est la résistance et il y a quand même eu pas mal de femmes, même au front, résistance. Mais j'aimais bien le commentaire quand même de la réponse de EA, c'était vous aimez pas, achetez pas le jeu quoi. Ça, j'adorais, quoi. Je n'ai moi, quand même, ils ont une paire, quand même, hein. Et pas une petite, hein. Mais moi, je vais prendre le jeu, hein. Au lieu de prendre Call of Duty, là, je prends celui-là, parce que Call of Duty, moi, personnellement, je le boycotte. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont enlevé une campagne, le mode campagne. Ils sont focalisés sur zombies, et battle royale et multijoueur. Et vu que je. Pas du tout intéressé par tout ça. Alors moi, je boycotte. Je suis désolé, il n'y aura pas de vidéo avec moi Call of Duty, mais de toute manière, Call of Duty, c'est vu, revu et trop vu. Ce que j'aime beaucoup avec le Battlefield, c'est le côté. Juste, pourquoi tu n'as. Il était juste devant moi, quoi. Et tu me dis qu'il n'y a pas de cible, c'est une blague ou quoi? C'était justement le multijoueur, je trouvais ça assez intéressant et assez intense en plus. Allez! Et ça, j'aimais bien, quoi. Ça change un peu. Oh, fuck. Bon, je peux essayer de vous fermer une brèche, moi, ici, ou quoi? Connerie, là. Non, j'aimais bien le côté, ça change un peu. J'aime bien il y a surtout un mode que j'aime bien, c'est un grand monde comme ça. T'en as plein. Tout le monde contre tout le monde, presque tout le monde contre tout le monde là, qu'il faut prendre les parties et tout. Ça, franchement, j'adore quoi. Mais bon, je suis pas encore assez doué, je suis à peine niveau 7. Je suis juste 7. Et ça, c'est gag quand même, entrer dans ce genre de multijoueur après autant de tant d'années que le jeu est sorti. T'es une petite noob, hein, et t'as tous les grands joueurs, ils sont déjà à 90 ou quelque chose comme ça niveau, c'est chouette quoi. Malgré tout ce qu'on fait, on n'a que argent. Oui, c'est vrai, c'est ça le problème avec celui-ci. C'est vrai, ça. Tu n'arrives pas à avoir or en fait dans celui-ci. Malgré qu'il t'ouvre toutes les brèches. Bon, moi, j'ai jamais réussi. Heureusement que je sais pas jouer pour sauver ma vie, mais ça, c'est autre chose. Du. PC, chuche. Un peu dessus le PC, je l'ai pas chouchouté ces derniers temps. Alors, ah oui, c'est vrai, les voleurs n'ont pas de menace. Ah bah si, on a réussi, or. Waouh! Ah, on a réussi le or, hein,
Youpi! Je saute de joie, wouh, en sachant qu'elle n'aura pas de bon doute. Yippee! Yippee-ki-yay! Bloody blah blah. Je peux même pas dire s'il y a que ma génération qui connaissait ce film est sorti à ma naissance. T'as besoin d'un petit coup de main? Oui, t'as besoin d'un petit coup de main, hein, voleur? Oh oui, hein! Hein, Kim Lee? Sais, tu peux aussi fermer les petites, hein? Juste titre d'information, ça nous aide aussi à gagner un peu plus de points, hein. Je dis ça, je dis rien en même temps, hein. Really, what the heck? Come on! Ust! Nicht. Ouais, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu de loin. Je t'ai senti. T'as pas pris une douche depuis quoi? 4 jours? Ah, tu vas l'ouvrir. Ah, vas-y, ouvre-le. Sois content. Sois content. Si tu me l'ouvres, tu tues les meubles, hein. C'est pas les mobs de toute manière que j'ai envie de tuer moi. Je me rappelle plus il y a longtemps de ça. J'avais fait ce, je crois que c'est quand c'était sorti. On était, j'étais avec un pote et on avait décidé de que les ouvrir, attaquer aucun et que les ouvrir comme ça. Les autres, il y avait que des mobs partout quoi. Les autres, on râlait dessus quoi. On a eu des messages. Oh, c'était le bon vieux temps. C'était le temps où on pouvait encore rigoler un peu, Son of Winter, troller un peu les gens, sans que les gens t'engueulent, quoi, par la suite, quoi. Non, je veux. Oh, come on. Maintenant, le moindre message, le moindre troll que tu fais, tu peux te faire bannir pendant 3 jours. Mais je l'ai eu en plus. Tu vas avoir un ticket pendant 3 jours. Ça veut dire que tu peux pas jouer pendant 3 jours. Really? Mais bon, c'est les Son of Winter, quoi. Les gens manquent incompréhensibles. Ah, par contre, je sais pas si avec le nouvel DLC, il va avoir une nouvelle classe. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Je sais que sur PC, il y a 2 classes qui sont payantes en plus. Et qui me tuent. Même ça, Son of Winter est obligé de faire payer, quoi. Tu veux une nouvelle classe? Bah, tu le payes. Crois pas qu'on paye déjà assez dans ton jeu, non? Fine, fine, fine. Ok, j'ouvre rien, je fais rien. Moi, j'ai pas le droit aux bons trucs, moi. Moi, c'est des verres. J'ai que droit aux verres, moi. Wow. Là, j'allais dire, tu allais m'attaquer ou tu voulais prendre ma photo ou quoi? Et c'est là. Bonjour, madame, comment va? J'aime bien tes oreilles de chat. Yep. C'est quand même long celui-ci. C'est long pour jouer, et je crois que c'est long aussi pour vous de la regarder. Ou bien vous êtes juste là pour ma voix. Bizarre. Incompréhensible. Ou bien pour ma dyslexie, se moquer de moi. Hein. À vous. À vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Hop là. J'ai enfin eu un bon hop. Parce qu'en fait, ça m'énervait, ça clignotait, j'avais envie de l'utiliser. C'est pas une blague en plus. Really? Vous m'amenez toutes les mobs ou quoi? Moi je connais mon perso, hein. Le seul truc qui le fait one shot, c'est moi. Personne d'autre. J'entends les criquets. J'ai l'impression d'être en dessous de la France en sachant que je suis en nord du en Belgique, quoi. J'ai du nord, dans le nord. J'entends les criquets. Bon, je vais les laisser avec leur petit groupe de mobs. Je suis tranquille ici. 5 heures plus tard, elle arrive quand même à ouvrir une portail. Really? Ust.
Et on n'a pas eu. Or, on était un millimètre près, quoi. Petite millimètre. Aïe, oh, comment. Faut que je change de chaise, moi. Petite millimètre, on pouvait être or. Allez, je balance tout. Hop, voilà, incontent. Ah non, j'ai pas tout balancé, ouais. Et n'empêche, c'est un sacré tank là. Hein. Je sais pas qui c'est, mais un bon petit tank quand même. Hein. Et tout ça pour un bleu. Waouh! Ok, bah j'ai quand même eu un 3. Et ça, c'est quoi ça? Ah, mais je l'ai déjà eu. Elle sert à rien. Elle est pire, ce que je crois que je l'ai en plus sur moi. Attends. Bah voilà. Elle est là. Elle sert à rien. Allez, sur ce, bisous, bisous.